compatriotes, moi je viens vers vous, mes frères, vers ceux qui, parmi vous, gardent encore un brin de lucidité et de flamme patriotique pour crier au secours au nom du Congo. Comme une sentinelle, je suis venu vous dire, au milieu de vos effervescences électorales, que notre pays, la République démocratique du Congo, court actuellement un grand danger. Notre territoire national vient de connaître une nouvelle forme d'agression, la plus dangereuse et la plus destructrice de notre histoire moderne. Et cette nouvelle épreuve vient s'ajouter aux calamités et aux affres d'agression, d'occupation, de balkanisation et de prédation dont notre pays est victime depuis plus de 2 décennies. Jusqu'ici, chaque fois que Kabila et ses frères rwandais se sont retrouvés dos au mur, ils ont actionné leurs unités armées qui foisonnent à travers la RDC et qui opèrent tantôt sous l'uniforme de la RDC, de la FARDC, tantôt sous l'étiquette des milices armées qui endeuillent notre pays et qui toutes sont commanditées à partir de Kinshasa et Kigali. Mais cette fois-ci, mes frères, nos agresseurs sont passés à la vitesse supérieure et ils ont poussé le bouchon plus loin. En effet, suite à la détermination de la majorité des Congolais, de certains pays occidentaux et des organismes membres de la communauté internationale qui ont fait à des degrés divers pressions sur Kabila pour l'obliger à rendre le tablier, devant l'avalanche de cette pression, le Tutsi Power et Kabila ont décidé d'accélérer le plan qu'ils ont cocoté depuis longtemps. C'est de mettre à exécution le plan de rendre la partie nord-est de notre pays, d'en faire le sanctuaire du terrorisme international en vue de rendre notre pays définitivement ingouvernable et incontrôlable. Mes chers frères, si je vous dis ces choses, c'est parce que je viens moi-même d'être personnellement alerté par un officier militaire des Congolais des FARDC actuellement en mission d'opération sur le terrain des hostilités à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Cet officier, qui est aussi officier de renseignement, a été mandaté par ses autres compagnons d'armes congolais pour m'alerter sur la situation grave qu'ils viennent de découvrir à Beni. Voici ce qu'il m'a écrit. Monsieur le ministre, et il fait ici allusion à mes anciennes fonctions de ministre de la Défense, Monsieur le ministre, écrit-il, mes compagnons d'armes m'ont chargé de remplir notre devoir patriotique en vous alertant au sujet de la grave situation de sécurité de notre pays que nous venons de découvrir ici à Beni, où nous sommes en opération pour stopper et repousser ce que nous croyons être les éléments de l'ADF. Les massacres des populations congolaises dont vous entendez parler dans la presse n'est pas seulement le fait des milices rwandais ou ougandaises qui opèrent déguisées pour décimer les Congolais. En effet, l'interrogatoire des 2 prisonniers présumés de l'ADF que nous avons capturés lors des opérations en pleine brousse nous ont permis de découvrir que nous sommes devant une action de terrorisme international programmé et planifié de longue date. Nous sommes ici face à un rassemblement des différents groupes terroristes en provenance des différents coins d'Afrique. Ils ont créé ici chez nous, dans la région de Beni, où nous combattons, leur base opérationnelle avec pour mission d'étendre d'un main leurs activités partout à travers les vastes forêts tropicales de la RDC pour couvrir ensuite tout le territoire national. Notre vie ici est en danger, car
nous avons compris que la haute autorité à Kinshasa est au courant de ce plan et qui pis est, elle le protège. Les prisonniers que nous avons capturés et interrogés en forêt et que nous avons ensuite mis à la disposition du quartier général ont été tous tués la nuit même dans leurs cellules, dès que notre hiérarchie, entre parenthèses rwandaise, a découvert leur véritable identité. Nous avons ensuite subi un interrogatoire pour savoir si nous avions interrogé ces prisonniers. Mais ayant compris que c'était un piège, et pour protéger nos vies, nous avons nié les avoir interrogés. Je vous demande, Excellence, de me contacter au numéro de téléphone en bas de la page pour que je vous fournisse de vive voix des détails opérationnels que je ne peux pas écrire ici car il y va de l'avenir de notre pays. Plus rien à vos ordres. Fin de citation. Après la lecture de ce message, mes frères, j'ai eu plusieurs échanges très fructueux, mais aussi très pénibles, avec ce brave officier. Et si je livre aujourd'hui ces informations au peuple congolais, c'est avec l'autorisation de ces braves fils du pays qui ont accepté de prendre ce risque et de sacrifier leurs fonctions qu'ils ont d'ailleurs déjà désertées au moment où je vous parle, afin de protéger leur vie. Je sais moi-même les risques supplémentaires que je prends pour ma propre vie en faisant cette déclaration. Mais que valent nos vies individuelles si elles ne peuvent pas se fondre dans la sève nationale pour nourrir et garantir la pérennité de la grande nation congolaise? Mes chers compatriotes, à la lumière des informations opérationnelles très détaillées que j'ai pu recueillir et dont certaines ne peuvent pas être portées au public pour des raisons de sécurité d'État, je tiens surtout à prévenir les Congolais que Hippolyte Kanambe et ses frères Tutsi rwandais ont décidé d'accélérer l'exécution de leur plan qui consiste à créer le chaos total au Congo pour le rendre ingouvernable et précipiter ainsi le processus de sa balkanisation. Autrement dit, ce plan vise à créer à l'est de la République démocratique du Congo une large zone de non-État d'où partiraient des actions qui paralyseront le mécanisme de fonctionnement de tout le pays. Kabila et Kagame ont aussi mis un puissant dispositif pour neutraliser tous les officiers militaires congolais des FARDC qui se rendent en mission à Beni et qui se montrent particulièrement zélés pour neutraliser les assaillants et menacer ce foyer naissant du terrorisme international. Ce détail du rapport des officiers des renseignements congolais a été confirmé par la déclaration on ne peut plus révélatrice du ministre de la Défense nationale de Kabila. Ces propos ont été relayés par le tout récent mémorandum des 21 partis politiques d'opposition de Beni qui a été signé le 29 septembre dernier. Ce ministre de Kabila a déclaré ceci, je le cite, « Les FARDC sont débordés et ont mal à faire face à la guerre asymétrique menée par les présumés ADF ». Fin de citation. Le ministre de Kabila parle en langage codé, car la réalité est que le vocable présumé ADF est destiné à ne pas citer les unités terroristes qui opèrent dans cette région du pays. Et la guerre, que lui qualifie d'asymétrique, n'est qu'un euphémisme pour désigner les activités terroristes auxquelles font face les unités de FARDC qu'il affirme lui-même être débordé. En effet, mes frères, selon le recoupement des différentes informations et témoignages reçus, il est établi que la région de Beni est devenue un véritable nid de vipères, car un bastion du terrorisme international est en train de s'y implanter maintenant.
les hommes qui sont en train de semer la terreur à Beni et bientôt dans tout le Congo sont des jeunes Congolais qui ont été kidnappés, formés et entraînés par plusieurs groupuscules des terroristes venus d'Afrique. Le mémorandum des partis politiques de l'opposition de Beni pointe du doigt les présumés ADF et leurs dépendants qui ont kidnappé des milliers de civils congolais. Mais selon les aveux extorqués et les témoignages recoupés, nous sommes arrivés à reconstituer la toile d'araignée que je pourrais vous décrire brièvement de la manière suivante. Les instructeurs qui forment des milliers de jeunes Congolais kidnappés et conduits de force au fin fond de la brousse sont des djihadistes somaliens du groupe terroriste Al-Shabaab. Ce groupe est officiellement lié, comme chacun le sait, au tristement célèbre groupe Al-Qaïda. Ces instructeurs somaliens qui opèrent à Beni sont équipés et coachés par l'ACMI, qui est la branche du Maghreb islamique d'Al-Qaïda. Depuis quelques mois, ces instructeurs somaliens ont été rejoints dans leur maquis, à l'est de la RDC, par les éléments du groupe Ansoura, dissident de Boko Haram. Ce groupe dissident est très connu pour ses sentiments anti-occidentaux. Ce sont ces éléments-là qui encadrent les jeunes Congolais formés en maquis et qui sèment la mort après avoir reçu leur formation par les Somaliens, les terroristes somaliens d'Al-Shabaab. D'après le témoignage d'un des prisonniers djihadistes qui ont été faits prisonniers et exécutés dans le cachot du QG, l'un des principaux objectifs du terrorisme international est de faire de l'est de la RDC, qui est très riche en gisements miniers, la nouvelle base de financement du terrorisme international pour compenser les pertes des puits de pétrole contrôlés par leurs hommes en Irak et en Syrie. Pour cela, disent-ils, il faut que le Congo soit plongé dans le chaos et que les intérêts occidentaux y soient sérieusement menacés. L'un des prisonniers avait lâché une phrase importante. Il a dit, je le cite, « Nous avons un avantage sur eux, entendez les Occidentaux, car nous maîtrisons mieux les techniques de combat dans les forêts denses et dans les marais. » Fin de citation. Comprennent donc qui pourra. Je tiens personnellement à remercier d'abord et à encourager ici, au nom du peuple congolais, tous nos braves officiers qui se battent dans des conditions inhumaines contre l'ennemi à l'est du pays. Je sais que vous êtes entre deux feux, en face de vous, l'ennemi que vous combattez, mais surtout, sur vos têtes, au niveau du commandement, vous avez les complices des mêmes ennemis qui travaillent non seulement pour votre défaite au combat, mais aussi pour votre mort. Beaucoup d'entre vous cherchent aujourd'hui comment se connecter au noyau de la résistance. Je vous dis que bientôt, vous serez tous joints par des voies appropriées. Mais je vous recommande en ce moment beaucoup de prudence et beaucoup de courage, car nous devons tout faire, mes frères, pour débarrasser notre pays et notre peuple de cette menace qui pèse sur notre chère patrie. Mes chers frères congolais, vous ne pourrez pas dire demain que je ne vous ai pas prévenu. Kabila et ses frères rwandais sont plus que jamais résolus
à ne pas céder le Congo aux Congolais, quitte pour eux à provoquer une apocalypse qui rendrait notre pays ingouvernable et favoriserait le processus de balkanisation qu'ils visent comme objectif final. Sachez-le donc bien, mes frères politiciens congolais. Sachez que vous ne poursuivez pas le même objectif que Kabila et les Rwandais. Car vous, leaders politiques congolais, vous poursuivez l'argent et le pouvoir. Mais Kabila et ses frères Tutsi, eux, sont plutôt intéressés par la terre de vos ancêtres et par ses immenses richesses qui sont en train de piller voilà bientôt 20 ans. Vous ne poursuivez donc pas un même objectif et tous vos accords seront toujours un marché de dupes et vous en serez toujours les dindons de la farce. Mes frères, quand vous réclamez le pouvoir, mais Kabila vous offre des transitions sur mesure et à son goût. Quand vous réclamez de l'argent, il vous le donne à compte-gouttes, contre votre silence et votre trahison. Quand vous lui réclamez l'alternance, mais il vous présente un dauphin, dont il sait qu'il ne détiendrait jamais une portion de pouvoir. Et dans ce vilain jeu de poker menteur, une chose est certaine, c'est Kabila et ses frères rwandais qui en sortiront toujours vainqueurs. Car vous savez pertinemment bien qu'aucune forme d'élection avec Kabila à la tête de notre pays ne saura stopper la détermination des envahisseurs rwandais dont il est lui-même le digne représentant à balkaniser notre pays en vue d'en annexer la partie est à leur territoire selon leurs intentions maintes fois déclarées. Aujourd'hui, vous vous époumonez tous à égrener la longue liste des failles, des pièges qui jonchent le processus électoral en cours. Mais pourquoi ne décidez-vous pas carrément de boycotter ce processus électoral et d'inviter le peuple congolais à la désobéissance civique jusqu'à faire tomber ce damné régime d'occupation comme l'ont fait avant nous d'autres pays d'Afrique? Pourquoi? La réponse, à mon humble avis, réside dans le fait que vous n'êtes pas des hommes libres. Vous êtes tous, à des degrés divers, redevables à Kabila, qui vous tient et tient chacun de vous en laisse, comme ses chiens. Vous ne pouvez pas aller au-delà des limites qu'il vous fixe, tant que vous n'aurez pas coupé cette chaîne de dépendance. C'est pourquoi je m'adresse à vous, jeunesse congolaise. Vous avez longtemps été berné par des fausses promesses et des chimères. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre que vous n'avez plus rien à attendre des politiciens, que ce soit du pouvoir comme de l'opposition. Car dans l'état actuel des choses, et dans leur posture actuelle, ils ne sont plus capables de vous apporter un quelconque début de solution au travers du processus électoral et stopper ainsi votre descente aux enfers. Votre bonne foi a été maintes fois abusée et votre confiance trompée. Peuple congolais, aujourd'hui, c'est vous qui devez trancher si nous devons laisser mourir notre maman Congo parce que vous voulez continuer à croiser les bras pour attendre des promesses mensongères des politiciens qui ne vous apporteront rien ou si nous devons
nous détourner carrément de ses fausses promesses pour sortir notre pays de l'occupation. Vous connaissez la réponse. Arrêtez donc de tergiverser. Décidez-vous. Mais de grâce, ne mourrez pas comme l'âne de Buridan. Parce que vous n'aurez pas voulu ou vous n'aurez pas pu vous décider à temps. Je reviendrai à vous. Je ne vous lâcherai pas. Ingeta. Et que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse son peuple. Bonjour à vous, chers compatriotes. Bonjour à vous particulièrement, chères sœurs, chères mères, chères filles. Bonjour à tous ceux qui prendront leur temps pour suivre ce message des femmes de la résistance congolaise à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui est commémorée le 8 mars de chaque année. Cette année particulièrement, nous avons voulu faire ce message parce que nous, les femmes congolaises, par rapport à toutes les autres femmes au monde, nous vivons quand même une situation qui est quand même très particulière et qui est particulièrement dramatique. Comme vous le savez, notre pays aujourd'hui est catalogué dans les plus mauvaises statistiques, pour la plupart du cas. Et justement, par rapport à la situation des femmes congolaises, malheureusement pour les Congolais, nous défrayons un peu la chronique par rapport à ce qui est devenu un peu presque une étiquette qu'on a infligée aux femmes congolaises, d'être aujourd'hui celles qui vivent dans le pays qui est considéré comme la capitale mondiale du viol. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous, les femmes congolaises de la résistance, nous avons voulu remettre un petit peu, peut-être, les choses un peu plus à leur place. Parce que quand nous observons ce qui se passe en République démocratique du Congo, et particulièrement au sein de la classe politique congolaise, il y a de quoi rester perplexe. Comment peut-on, tout au long de l'année, taire, faire abstraction, pratiquement, de ce qui se passe en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo? Parce qu'effectivement, ce qui a particulièrement motivé notre mobilisation aujourd'hui, nous, les femmes congolaises de la résistance, c'est bien la situation de nos sœurs en République démocratique du Congo, mais particulièrement à l'Est. Comment peut-on vivre ainsi, comme si nous étions dans un monde, ou dans une maison, où dans la chambre, les gens sont en deuil, et au salon, certains sont en train de faire la fête. Certains vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Dans la chambre, on est en train de tuer des gens, on est en train de massacrer des gens, on est en train de violer des gens. Et au salon, les personnes vivent normalement, comme si de rien n'était. Non, chers compatriotes, nous, les femmes congolaises de la résistance, nous estimons que cette année, particulièrement cette année, nous devrions, pour la journée du 8 mars, considérer qu'effectivement nous sommes réellement en deuil. Oui, le Congolais, le peuple congolais est en deuil. Puisque chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, des personnes sont massacrées dans notre pays. Et ce qui est quand même assez révoltant, c'est de voir que pas une minute de silence n'est accordée pour toutes ces victimes par nos représentants, soi-disant, les hommes politiques. Pas une minute n'est respectée au sein de leur parlement qui, il faut le dire, est absolument inutile pour nous les Congolais. Pas une stèle n'a été élevée pratiquement pour tous ces millions de victimes que nous connaissons en République démocratique du Congo, des suites de l'occupation et du processus de balkanisation en cours dans notre pays depuis au moins deux décennies. Chers compatriotes, nous les femmes congolaises de la résistance, nous avons voulu, au moins que pour une fois, que nous fassions l'effort, en tout cas pour ceux qui veulent bien, que nous nous recentrions sur ce qui est essentiel pour nous, nous les Congolais. Aujourd'hui, on nous parle de Covid-19 comme la plus grosse catastrophe, ou je ne sais pas, humanitaire du moment. Et que dire de nous, c'est ce que nous vivons, nous, en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, le processus d'occupation, de balkanisation, l'impunité tue beaucoup, beaucoup plus que le Covid-19.
nous comptons des millions de morts. Il y a eu des périodes où on nous a parlé d'au moins 1000 morts par jour. En République démocratique du Congo, rien qu'à l'Est. Des dizaines de viols par jour, rien qu'à l'Est. Rien qu'à l'Est. Oui, le Covid, c'est un problème. Mais pour nous, en République démocratique du Congo, le premier problème que nous avons, c'est le problème d'insécurité. On nous parle aujourd'hui de leadership de la femme par rapport à cette date du 8 mars 2021. Et que peut-on, comment peut-on parler de leadership des femmes, d'activité ou de quoi que ce soit d'autre quand nous ne savons même pas, en tout cas pour nos sœurs qui sont à l'Est, si elles ne vont pas mourir dans la minute qui suit, dans le jour qui suit, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent. Comment peut-on parler d'autre chose et taire à ce point toute cette tragédie que nous vivons là-bas à l'Est? Non, chers compatriotes, il est temps que ça change. Si les choses se passent ainsi, nous ne le dirons jamais assez. C'est bien parce que ceux qui sont à la tête de ce pays ne travaillent pas pour les intérêts congolais. En quelle langue faut-il qu'ils vous le disent? En quelle langue faut-il qu'ils vous le montrent? Regardez les faits. Vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il est chef de l'État. Il arrive avec un slogan du genre « le peuple d'abord ». Mais pendant que vous croupissez dans la misère, rien que là à Kinshasa, dans l'insalubrité, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des hôpitaux qui sont dans un état inimaginable même. Monsieur empoche 2 millions de dollars par mois, sous votre nez, votre argent, 2 millions de dollars par mois, pour quel résultat? Pour qu'il vous dise au bout de 2 ans que non, il n'a pu rien faire. Le deal qu'il a passé et que nous l'avons pas mandaté, nous lui avons rien demandé. Le deal qu'il a été passé lui-même par cupidité et sûrement un peu par bêtise. Ce deal-là fait qu'aujourd'hui, pendant 2 ans, il a pu empocher 2 millions de dollars par mois, plus de 2 millions de dollars par mois dans sa poche sans rien faire. Soit disant que l'autre avec qui il a fait son deal l'empêche de travailler. Mais alors monsieur, vous n'êtes pas président? Si vous êtes président, c'est vous qui le virez. Mais si lui vous empêche de travailler, c'est que vous n'êtes pas président. Mais toute cette comédie aujourd'hui, je pense qu'il n'en a même plus besoin de revenir dessus. Tout le monde en parle. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, en réalité, est prise en otage. Alors, peuple congolais, parlons peu, parlons bien. C'est votre argent avec lequel ils sont en train de s'amuser. C'est votre avenir qu'ils sont en train d'hypothéquer. L'avenir de vos enfants. C'est votre terre qu'on est en train de brader. C'est votre eau qu'on est en train de l'eau de votre fleuve qu'on est en train de vendre à tout va, hein, au Tchad ou à l'Égypte, etc. Alors que vous n'avez même pas d'eau dans vos robinets. Peuple congolais, si tous ces gens se comportent ainsi, c'est parce que nous ne faisons rien. Alors aujourd'hui, chères femmes particulièrement, nous vous interpellons, chères mères, chères sœurs, chère fille, on dit que la femme est censée être un peu la gardienne du temple. Alors, mes sœurs, jouons notre rôle. Soyons ces gardiennes du temple qui font que nous tirons la sonnette d'alarme pour nos hommes, pour nos frères, pour nos fils, pour leur dire qu'il est temps que toute cette racaille-là dégage. Il est temps que nous leur disions que nous ne leur permettons plus de jouer avec ce qui nous appartient. Nous n'avons mandaté personne pour aller collaborer avec les Rwandais qui occupent notre pays. Nous n'avons demandé à personne d'aller brader ce qui nous appartient, ce dont nous avons hérité sans même lever le petit doigt. Nous sommes nés Congolais et nous avons appris que d'autres avant nous ont fait en sorte que nous trouvions cette terre. Et au moment où nous ne passons le flambeau pour que nos enfants et les progénitures futures puissent aussi bénéficier de ce dont nous avons bénéficié, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le pays ne nous appartient plus. Nous avons perdu notre souveraineté. Chers compatriotes, la situation est trop grave. Mes sœurs, mes mères, mes filles, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Regardez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont les femmes sources de vie qui sont massacrées en premier, pratiquement. Qui sont exterminés. On a même inventé un nouveau terme pour ça. On parle de féminicide. C'est-à-dire qu'on extermine plus les femmes qu'autre chose, mais c'est pas pour rien.
C'est parce qu'ils ne veulent pas des vies. Oui, ils nous ont inventé un terme. Un terme particulier pour parler de la destruction de la femme congolaise, la source de vie. Ils nous parlent de féminicide. Ce n'est pas anodin, cher frère. Ce n'est pas anodin, chère sœur. C'est bien parce que il y a aujourd'hui plusieurs personnes qui se sont liguées contre le peuple congolais pour que nos terres appartiennent à d'autres. Et pour pouvoir vider ces terres de tous les Congolais, on fait en sorte qu'il n'y ait plus de vie. Et c'est pour ça que nous, les femmes congolaises, sont les premières cibles. Aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a bien compris. Et pourtant, bambongo bazo donda na ngweza mbongo na bino. Mituko bazo donda na bango eza ya bino. Babiloko nyoso bozo mona na bango bazo sakana eza ya bino. Puisque mbongo na bino de bazo utilize. Pe baton pe bo vota na bino bango te. Puisque la plupart, bo ebi bien que élection salama nango réellement te, bango nyoso baza nommé. Ko banda président na ba député na ba sénateur nyoso. Baza nommé, baza ki nommé kuna na kingakati. Hein? Les akiba arrangement il y a Nanga na Kabila et surtout na Kagame. Pe muto azawa na le lola azo bisa mino ke non a tché Kabila de côté mais azo ibozo mona ya azo traiter na Kagame. Donc Rwanda za toujours na Uganda baza toujours wana mboke za na boko na bisoté. Bande ko nanga basi. Biso ba maman de toza rabato toza censé ko batela. Hein? Ndaku. Même mboka biso photo za la bato toza la souci biso ndeto memaka bana. 9 mois dans l'ibon. Bon, on va s'en aller à la bisoboué. Bah, maman, tu as la soussouté. Message n'abiso lelo pour la journée internationale de la femme ou bazo tché la bisoba liba et sabiso que le problème le plus important c'est la COVID-19. Bisso na Congo, problème de soi liboso. Et ça que batou bakon bandikonso bazo kouf. Bandikonso bazo violé bango. Bah, la bisoba na maïté. Bisso moto na maïté. Électricité zate. Kolia passe. Makamonyo so passe. Ko se soigner passe. Nyonso donc toza ko ba tout comme le roi bibembe mais toza obligé to continuer boye susté pour na bino bande na ba chrétienne bo se rappeler na kati ya bible loko ba yisa biso quand vous chassez un démon si vous n'êtes pas assez vigilant ce démon revient avec 7 autres et votre condition est pire que la précédente bande ko langai démon moko ko kantsa ibo bengana ki azaka kawana non seulement a vendu wana a eda misusu. Union sacrée mobile, Bangouane. Situation na bino est commis pire qu'avant. Père qu'on se dégrada kaka. Pour la minute au mboka, si ma pèse on a battu moussous. Congolais to telema, to zana chouate. To la mouka, maman congolaise. Bisonyo son la minute au photo comme basouda. Bisonyo son photo zaoka basouda. Basinzili yamboka, bisou. Ba maman bola la soussouté. Ba papa bazana besoin à bisou. Ceux qui sont là, ils ne peuvent pas continuer à faire ça. Ils ne peuvent pas continuer à faire ça. Maman résistante, ils ne peuvent pas essentiellement les faire. Ils ne peuvent pas faire ça. 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 Comment beaucoup de gens ont fait ça? Ils ont fait ça. 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 Ils ont fait ça.
Ma passe est belle et belle, tout ça n'a pas de l'eau à fêter, ma ligne va distraire Bissot. Toi, il s'avance que vous simbattez. Le 8 mars, il y a Bissot, tout ça est noir. Tout ça n'a pile. Tout ça n'a pas de temps. Tout ça est solidaire, n'a pas de l'eau à Bissot Nyos. N'a pas de l'eau à Bissot, n'a pas de l'eau à Bissot, tout ça n'a pas de l'eau. Malgré que je continue à Bissot Mingueza, madame, vous avez dit, mais vous avez dit, tout ça n'a souci à Bino. Alors, vous avez dit, tout ça n'a pas de l'eau à résistance. Tout ça, c'est que l'eau à tout si que la Congo est à devoir en abisso et à façon d'abisso à remercier Nzambe pour n'a ma belle à Pessibisso bénédiction à Pessabisso en nous donnant le Congo. Ingeta Jambo et nous ba mama Jambo et nous bandouan ou ba Congomani ba mama Moussimanie ou comment ma tangi à 1er janvier ou pas qu'à 31 décembre ou comment ma moi Kamouzima. Aïe, qu'on parle le 8 mars. Le 8 mars, où est-ce situation yako? Situation ya batoto yako? Situation ya maisha yako? Ya batoto yako kwa masiku, itakuja uko mama juu ya inje yako. Juu ya mama kongolese, maisha tuko nayo, hatuwezi kufurahishwa. Le 8 mars, hatuwezi kufurahishwa. Kuwiwa ya banamuke, ya batoto, maviole, furaha hakuna. Tusimame. Tukumbanishe juu ya inje yetu. Ingeta. Mama Kongolese, na eli susu penza lelo, spesialmo pona yo. Pona kubwa kambela. Tozo mwona ajune ale 8 ezali kopusana. Ba mama ming bazale ko milenge la, basala feti, balata maputa. Na lingina rappele loko moko. Journée le 8, mama congolaise, ndeko nanga, eza kuna olata ni putate. Ozali mama du 1er janvier au 31 décembre. Oza mwasi du 1er janvier au 31 décembre. So ki peza koto ke na logique wana, c'est qu'il faut os baso mela kawali puta chaque jour du 1er janvier au 31 décembre. Mais Esa y a voté une idée. Intention, ce n'est pas ça. La date du 8 a été retenue. Date on est si maman qui pona, ko permettre yo maman congolaise, oye ba ko kanisa situation na yo, ko kanisa pona situation ya bana na yo, ko kanisa pona situation ya mboka na yo, avenir ya bana na yo. Et le koni ni yangwa malonga, Esa pona yo, oyo ko yiko bongisa, to oyo ko yiko sala, pona bana na yo, pona avenir ya mboka na yo. Esa te pona kola tani puta maman. Et puis, la situation où Bisso pendant particulièrement maman congolaise, où tout ça qu'on vit dans le monde, toi, Nathan, on s'est fait titre. Toi, Nathan, on s'est pris journal le 8. Journal le 8, les apôtres, quand ça pendant, modèle, pas qu'on viole, quand on a Bisso dans l'Est, bah, on viole Bisso dans l'Est, bah, on viole dans le Bisso, bah, on carabane dans le Bisso, bah, on a continué à prendre un fond. Pendant que Bane a H1, bah, dans la classe, bah, on a Bisso, bah, on a un fond. Pour nous bunda, pour nous servir, pour nous chercher à canon, pour nous éclairer, pour nous prendre la forme. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un mine. Vous avez un âge, vous avez classe. Mais si vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu kuna ndefoto tala ndenge ni toko kosa la poto suki sa makambo wana po bana na biso baza na class olema me maona ba na fo ba me maona ba mil kuna baza na ndena class ba vaccin o bazo e la biso kuna ndefoto es kuna ndefoto fo na miso est ce que vaccin on eza malamu est ce que kosunga biso e ko me bazo makambo te plus tard kuna ndefoto kanisa li puta kaka mama li puta kaka pendant que bana na o bazo tanga te. Pendant que ça a ya pompe ils ont maintenant na ba salité. Dieu me dit que non, journée le 8 ça journée au lac ni puta. Ya solo la maman congolaise, to telema ko, maman congolaise, to telema. To ta non on ezo le kana misu na biso. Hein? Bana na biso ba 26 ba 2 mois ba kayi classité. Normalement 2 mois botangité, il faut ba déclarer année en blanche. Et le ko ni mi penza ba zone si bana na classe, mais e kozala ndenge ni pour quel résultat? Et que ça pour quel résultat? Non, maman congolaise. Journal le 8, c'est un journal qui pour ta tête. C'est un journal qui est pour ta cicaté. Parce que tu es maman du 1er janvier au 31 décembre. On a maman toute l'année. 24 ans sur 24 ans. 7 jours sur 7. 12 mois sur 12 mois, on a maman.
Osa maman ka de 8 mars te telle ma maman congolaise ingeta ba maman congolaise na yimingi pona bino ezanga maman dometo en tout cas la pesse nous na non beauté mais la pesse nous pe mes condoléances na ndenge te zo poufela na ndenge biso ba maman bazo violer biso na kata Congo bazo tsa biso ba ntete biso ba te zo me mabana wana o bazo bomba biso ba te zo me ba tata o bazo violer biso bazo bomba biso ba ndeko na ngai. Vous êtes la tête pour vous montrer le 8 mars, le journée internationale de la femme. Non, vous ne pouvez pas dire que la tout le temps à Bolobaké, journée internationale de la femme. La minute où vous avez un essai, vous avez passé, vous avez violé, vous avez violé, vous avez violé, vous avez violé, comment bino bande konanga boko ko sepela nandeke bazo boma biso nandeke bazo violer biso nandeke bazo boma bana biso o tozo me manef mona libumu nandeke biso moko tozo bona ba mibali o bazo violer biso bande konanga boka lesa Congo ndenge tozalaka na epoque ya Zaire na minute o est-ce que mama esiko zali okoki kolata li puta penjo bimio lobike ndaki ko fete journée internationale de la femme. Tout se poser ma question bande konanga il faut tere ma biso ba maman de muto Kamola Congo, Congo est allé pour la biso. Ce qui biso te télémi peut au Kamola Congo te, cause la moto, ce sont taliban la Kamolo Congo te. Et on a sauvé la blue, maman, Nyoso ya Zaire, Babama, oh Nyoso ya Congo, RDC, surtout Kin, et Zalaba, est-ce que la province d'absolu Nyoso, Nazo belle la ville de Sikabozali, Boktala est un dengue commis. Tous les jours, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, Bazo Boma ba maman, Bazo violer ba maman. Bande konangai, bo sepe la te, kola tali puta kono la tili puta te. Ta la place au bouti, ta la pasi o ya robota, o lo bake, mbo kanangai, bazo bo mabiso. Ya wana sengi yo mama, soko zala bo mingwa bana na o yo zo bota. Lo bake journée internationale de la femme de 8 mars, eza a yote pour le moment. Tu te relibere mbo kanabiso, en tout cas bima, libere mbo kanayo, inquiète pas, les sikanyo se vous allez. Donc, comme vous avez eu un abyss, vous êtes en libérant. Merci, ma maman. Vous allez toujours ne pas penser à Bala, ne pas vous couper. Je suis en Congo. Tu dis pas la lèvre, je suis en Milan. Je suis en maman. Je suis en Congo. Journée où je suis en journée de femme, journée où je suis en Congo. Tu dis pas la lèvre, quand tu es en Milan, quand tu es en Milan, tu es en Milan. Tu journée où maman, il faut que tu es en Milan. Moi, c'est tête ba maman qui m'a dit souffrir. Tête ba maman qui m'a dit ba tout violer, dit ma Jones. Ba tout enza, malo, a dit kaba yon mokou enza nacha, ou dit ba bekla yon yema wa mouti soukouto. Moumouani, katou yon kadi yon dit sanga tout fatu tamba yon journée wa ba maman. Journée wa ba maman moutan bila yon faut toujours ka, ba lou tête qui m'a dit violer. Zami wa mouti yon tout mouambila, zami wa tout katou leke jito. Watuweza chini, watetu ba mamu, tujuka. Tujuka bwalu, bali mama tujinabu si, baka bana babakashi. Bakaji ba, mwani lenu, juma kwamba ni ukumalaba, ukujimuka. Kifa tuutambia ba mamu. Hajiba mba ni jurne wa ba mama, ifo tujuka, tetu ba mama ba muko ngu. Tujuka, watujula bana betu. Wa, manu wajibenza, akushifa ya bana, jiba josu. Aku viole bana baba kaji, tetu ki bajibale na bana. Tetu ki bajibale na bana. Hajima mbanyi mama, mama si muntu ujimu lela. Muntu ujimu manyani. Kufatula mwana, si tute problem. Nzambi mtu fesha benediksyon wawo. E mula kutufesha nye jisama, tukala tumvwa, jisama fatutufatula mwana. Jisama jitubanda, mumuji. Watuweza liberasyon, wajitu majetu. Juka imu jitu kujaba mama. Juka imi mbana ba Kongo. Bana ba Kuba Zaire. Bana ba Bandundu. Bana ba Mo Equateur. Bana ba Kasai, le de Kasai. Bana ba Mbandaka. Bana ba Kisangani. Bana ba Mukivu. Manyema. Bana ba jitu kanja Kongo. Juka iba mama. Juka itu jula. Tumifata bantu ba jibanga. Bobo, pas la quoi, t'as dit que tu as un tâche par rapport à la moine et tout, nous déclarons moine et tout, qui moine et tout, aussi qui plus pire à bas de moi, bah, j'ai pas la coufatula, ou pas la coutuba, tous les gens qui aient eu, j'ai pas déclaré, n'y est fou, fou moi, dit-on,
Tu es calme, tu es moi. Tu es fatabant, tu bosses. Tu es malade, tu es chipaille.